Bonsoir les amis, il est donc 20h temps universel, nous voilà en direct sur Canal 2 City pour un nouveau JT. Alors tout de suite, les titres de ce journal. Tout d'abord, nous allons avoir comme invité Jean-Pierre Ossip nous expliquer comment il a eu l'idée de transmettre les signes à son sur de longues distances grâce à des proches. Nous verrons enfin dans ce journal l'expansion de la ville City bien au-delà de ce qu'on le pensait. Même un village est aujourd'hui empêché par des barrières, puisqu'une nouvelle ville va s'y installer. Nous allons tout de suite voir l'interview de Jean-Pierre Octet effectuée par notre ami Richard de la Régie, que je salue. Salut Richard. Allez, balancez le reportage. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Oui, alors, comment vous... Bonjour. Bonjour. Alors, quel est le but de votre technologie, de votre idée? Le but de ma technologie est de transmettre les signaux de Rexton beaucoup plus rapidement que ce qu'on le faisait avant sur des longues distances. Puisque comme le sait, au-delà de 15 poudres de Rexton, 15 blocs de poudre de Rexton, au bout de 15 blocs de distance si vous préférez, la Rexton ne transmet plus le signal, il faut donc ajouter un répéteur, ce qui ajoute un décalage. Mon système permet du coup transmission de instantanée du signal sur 40 blocs de distance. Donc si on peaufine bien le système, on peut donc avoir très rapidement des signaux rapides qui font une distance très longue. Tout ça facilement et avec un coût de Rexton énormément réduit. Et on peut aussi faire des fils qui se croisent sans problème, ce qui permet de faire des réseaux bien plus complexes. Oui, d'accord, mais vous pensez pas que votre technologie a des défauts? À l'heure actuelle, c'est plutôt le système d'activation. Par exemple, quand on active le premier, il faut que ça active le second. C'est le seul problème qu'on a à l'heure actuelle. Mais une fois qu'on aura trouvé le moyen de faire ça rapidement, on aura juste qu'à essayer d'améliorer la couverture. Et comment vous comptez faire ça? Grâce à la Rexton sans fil, grâce à des blocs de commande. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Hein. Au revoir. Au revoir. Ouais, c'était un reportage très intéressant. Dans la suite d'actualité, on a dit que les propriétaires du Paradis Cube voulaient construire un nouvel hôtel. Donc, nous avons envoyé notre Rémi sur place pour qu'il commente l'affaire. Attention, c'est parti. Alors, oui, il est en vol. Donc, je suis ici devant, le Paradis Cube Hôtel. Donc, il se trouve que les propriétaires de l'hôtel veulent construire un nouvel hôtel dans New Bug Druid cette fois-ci. Alors, c'est une rumeur, puisqu'une deuxième rumeur dirait qu'il le construirait dans une nouvelle ville, la nouvelle ville que vous allez, qui n'a pas encore de nom, que vous allez présenter. Et du coup, cet hôtel, deux gros projets ont été présentés pour un possible nouvel hôtel. Le premier, ça serait un espèce de paquebot, mais un paquebot immeuble, c'est-à-dire que le paquebot, il bougerait pas, quoi. Il n'y aurait pas de moteur, rien, ça serait juste un immeuble en forme de bateau. Et le deuxième projet, c'est un ensemble de trois tours interconnectées totalement what the fuck. Alors oui, merci. Et autre question, Rémi, si vous permettez, c'est... vous pensez que c'est réalisable? Alors honnêtement, on ne sait pas, parce que déjà le Paradis Cube, c'était le... Vous-même, vous l'avez designé, et ça a été le chantier le plus important de The City. Enfin, ou du moins l'un des plus importants. Alors de là à dire que... qu'on est capable de le refaire, ça je sais pas, c'est très compliqué à dire. Là j'ai demandé de bouger un peu la caméra, comme vous voyez il y a plusieurs étages, il y a beaucoup de chambres, l'intérieur, c'est sûr que la structure peut être au niveau design bien améliorée, mais de là à avoir un hôtel de grande capacité, il va falloir peut-être beaucoup de temps pour que ça se réalise. Merci, et donc quel est le coût de ce projet? Ce projet est évalué à 2,3 milliards d'émeraudes, hein, c'est le budget accordé. Ah oui, effectivement, ça fait beaucoup, mon cher ami. Eh oui, ça fait beaucoup, comme on dit. Bon, allez, moi je rends l'antenne. Et les amis, c'est moi qui vais faire ce dernier reportage du journal, puisqu'après, ce sera la fin du journal. Donc nous sommes dans un petit village... On est plutôt vers l'est de la city, enfin, ou le nord, ça dépend dans quel sens on prend. Non, c'est l'est, ouais, c'est bien l'est. Puisqu'il faut savoir que la The City, pour l'instant, ne s'est étendue que de nord en sud.
et un peu d'est en ouest, mais pas énormément. Donc là, on est bien à l'ouest. Et nous avons déjà un projet de centrale en construction. C'est le premier projet qu'il y a eu. Et là, nous avons un village qui, pour la première fois, va être préservé. Ça va être ça, une idée de cette ville. Et puis aussi, on a déjà la voie ferrée qui passe par ici. Donc on est déjà connecté au reste de la The City par le chemin de fer. Reste plus qu'est-ce que maintenant tout ça se développe. Déjà, on a le seul panneau qu'on a, c'est village et autre. Autre, c'est la ville, quoi, voilà, tout simplement. Il me semble qu'on avait un autre panneau. Non, il n'y avait pas d'autre panneau pour l'instant. Donc, on va aller un peu plus loin. On va continuer à allonger le chemin de fer. Attention, j'active le mode vol. YOLO! Non, je déconne. Bon, nous sommes du coup en route vers les premières habitations touristiques qui ont été faites un peu plus loin pour éviter de déranger le village pour l'instant. Toujours au long du chemin de fer. Ces imposantes structures serviront à accueillir des milliers de touristes prochainement dès que la ville sera opérationnelle. Ce sera au conseil de la The City de décider de l'évolution de ce projet. De savoir si oui ou non on continue l'expansion dans cette zone. Eh ben, c'est la fin du coup de ce journal et j'espère vous retrouver prochainement dans une prochaine édition ou dans un prochain épisode de la The City, puisque c'était le premier épisode de la saison 3 de The City, qui sera cette saison exclusivement des émissions de télévision de la fausse chaîne de télé Canal The City. Allez, merci de nous avoir regardés.